apporte une salade. Mais quelle est la suite? La devinez-vous? Que doit-on faire? Chanter coucou. Yeah! Coucou, chante le crapaud. Coucou, il plonge sous l'eau. Coucou, un enfant qui passe. Coucou, bleu ses cheveux. Coucou, passe une fillette. Coucou, violette sa tête. Coucou, un robot se balade. Coucou, il porte une salade. Relever.
Quand tu es malade et que tu te sens mal, j'essaierai de te remonter le moral. Je t'apporterai ce dont tu as besoin, je te tendrai toujours la main. Si t'es malade, je te remonterai le moral. Quand tu as besoin de parler, je suis là. Si tu as besoin de parler, viens vers moi. Je suis là. T'es mon ami, je serai toujours là pour toi. S'aider les uns les autres, l'amitié c'est ça. Si tu as besoin de moi, dis-le-moi, n'hésite pas. T'es mon ami, je serai toujours là pour toi. C'est un très long trajet. Ce qui serait chouette, ce serait de jouer. Faisons des devinettes. Bonne idée. On est presque arrivé, oui. On arrive bientôt, oui. On est presque arrivé. On est arrivé.
c'est ton anniversaire, ta journée à toi. C'est ton anniversaire, ce jour est très spécial. Nos meilleurs vœux pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Je ne les veux pas. Non, 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 je ne veux pas de mes chaussures. S'il te plaît, elles protègent tes pieds. Non, 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 je ne veux pas de mes chaussures. Mais regarde, m'y apporte ses chaussures. Oh d'accord, je vais les porter.
un sac plein de farine que 20 petits oiseaux ont mis dans leur cuisine. Quand la tarte fut coupée, ils chantèrent d'une seule voix. N'était-ce pas un joli plat à présenter au roi? Le roi était dans son bureau pour compter sa monnaie. La reine était au salon pour prendre son déjeuner. La femme de chambre au jardin faisait sa corvée. Quand un petit oiseau vint et lui piqua le nez. Chante une chanson de six sous un sac plein de farine que 20 petits oiseaux ont mis dans leur cuisine. Quand la tarte fut coupée, n'était-ce pas un joli plat à présenter au roi? Le roi était dans son bureau pour compter sa monnaie. La reine était au salon pour prendre son déjeuner. La femme de chambre au jardin faisait sa corvée. Quand un petit oiseau vint et lui piqua le nez. D'abord, remuez vos doigts. Voici comment nous remuons nos doigts, remuons nos doigts, remuons nos doigts. Voici comment nous remuons nos doigts, joyeux de si bon matin. Maintenant, tourne la tête. Voici comment on tourne la tête, tourne la tête, tourne la tête. Voici comment on tourne la tête, joyeux de si bon matin. Hausse les épaules. Voici comment on hausse les épaules. Hausse les épaules, hausse les épaules. Voici comment on hausse les épaules, joyeux de si bon matin. Étire tes bras. Voici comment on étire ses bras. Étire ses bras, étire ses bras. Voici comment on étire ses bras, joyeux de si bon matin. Bouge ton corps. Voici comment on bouge son corps. Bouge son corps, bouge son corps. Voici comment on bouge son corps, joyeux de si bon matin. Un dernier, bouge tes pieds. Voici comment nous bougeons nos pieds. Bougeons nos pieds, bougeons nos pieds. Voici comment nous bougeons nos pieds, joyeux de si bon matin. Vous avez réussi, bien joué!
coucher, la tête s'est cognée, et le lendemain, il n'allait pas mieux. J'écoute aussi pour ma sécurité. Et je marche toujours, jamais je ne cours. J'attends toujours jusqu'à ce qu'un adulte tienne ma main. Je ne joue pas, je ne traverse jamais. Sécurité quand je traverse est si précieuse. Quand c'est l'heure pour moi de traverser, je m'arrête et j'attends. Je regarde des deux côtés et j'écoute aussi pour ma sécurité. Et je marche toujours, jamais. J'attends toujours jusqu'à ce qu'un adulte tienne ma main. Je ne joue pas, je ne traverse jamais seule. Ma sécurité quand je traverse est si précieuse. Chante avec moi. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet font un arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Encore une fois. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet font un arc-en-ciel. Chercher un os pour le chien. Quand elle l'ouvrit, il était tout vide. Le pauvre chien n'avait rien. Le pauvre chien n'avait rien. Le pauvre chien n'avait rien. Était dans son lit quand soudain elle sentit un coup sur son front. Elle leva les yeux et sans même faire de vœux, des os tombaient du plafond. Des os tombaient du plafond. Des os tombaient du plafond.
placard et donne un os à son chien. Il en prend